Quels sont les mécanismes de notre cerveau? Le cerveau pèse moins lourd qu'une brique, soit 1,360 malheureux kilos. Et sa taille est d'environ 2 points côte à côte. Cela ne vous impressionne pas? Pourtant, ça devrait. Parce que notre cerveau nous permet de tout faire. Garder l'équilibre, se souvenir des anniversaires et faire des blagues de mauvais goût. Pour cela, il fait appel à plus de 80 millions de cellules nerveuses appelées neurones. Ce sont eux qui nous font penser ou ressentir les choses et qui déterminent notre rythme cardiaque. Et ceci en envoyant des signaux. Ils émettent plus d'impulsions électriques en un jour que l'ensemble des téléphones du monde. Ces signaux vont à la vitesse de l'éclair, plus vite que la voiture de nos rêves. Et les neurones sont également actifs lorsque nous dormons. Alors c'est tout? On reste les bras croisés, on laisse notre cerveau faire tout le travail? Pas tout à fait. Tous les jours, nous nous brossons les dents pour garder un sourire éclatant. Et c'est pareil pour notre cerveau. Nous devons garder nos neurones en parfait état, et il faut ainsi les entourer de soins. Mais ce n'est pas trop difficile. Vous vous souvenez de la corvée des gammes de piano quand vous étiez enfant? Tandis que vous marteliez les touches, vos neurones diffusaient des centaines de signaux électriques par seconde, établissant des connexions dans le cerveau. Et cela ne se limite pas à la musique. Lire un livre, faire un puzzle ou une promenade. Quand on est actif, nos neurones tournent à plein régime et utilisent suffisamment d'électricité pour alimenter une ampoule de 25 watts, ce qui est excellent pour le cerveau. C'est en fait nous qui faisons fonctionner notre cerveau. Nous et quelques milliards de neurones. Pour savoir comment faire tourner vos neurones à plein régime, rendez-vous sur www.hellobrain.eu.